Bon, ben, je voulais vous faire un petit coucou à tout le monde. Ben, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Voilà, bon, ben, en fait, l'idée, c'est qu'on se fasse une petite vidéo de tous les agents. Ça ferait plaisir qu'on se fasse un petit coucou, histoire de se faire un petit coucou, de voir votre petite tête à chacun. Et bon, voilà, bon, j'espère que tout va bien. Prenez soin de vous et vos proches. Enfin, moi, je prends soin de lui. Regardez. Bonjour! Je suis à l'envers dans un carton qui est tombé! Bon, voilà, on s'occupe comme on peut. Voilà, bon, en tout cas, bon courage à tous et. Je pense fort à vous. Bon courage. Bonjour à tous. Ben, je suis bien contente de vous revoir parce que ça fait un moment et ça commence à devenir pesant. Le confinement est dur pour tout le monde. Ben, moi aussi, j'ai eu un peu peur parce que j'avais vu mon médecin et 2 jours après, j'ai appris qu'il était malade. Donc, j'ai eu un peu la trouille, mais ça va bien. Ma famille, ça va. J'espère que pour vous tous, ça va. Soyez prudents parce que quand on voit les vidéos avec les gens qui sont malades, croyez-moi, ça fait peur. Ben, je vous souhaite le meilleur. Soyez confinés, restez chez vous. Je pense à vous. Rien qu'à vous voir, ça me fait plaisir. Et ben, je vous dis portez-vous bien et j'espère à très très bientôt. Je vous embrasse tous ainsi que votre famille. Bisous, au revoir. Bonjour Monsieur Saino. Bon ben tout va bien pour moi. Hein. Moi j'ai personne à m'occuper à part moi. Mon mari travaille. Donc les journées sont encore plus longues. C'est en toute l'équipe là qui me manque beaucoup. Et pour ce qui est de son patron, c'était une angine. Hein. Ben, comme ça, il y a eu plus de peur que de mal. Tant mieux, hein, c'est que, voilà. Je fais un gros bisou à toute l'équipe, hein, si vous pouvez passer le message. Puis à très vite. Bonjour chef, comment allez-vous? Je suis trop ennuyée à la maison, mais bon, c'est le moment, c'est très dur, très difficile. On doit faire avec. Un petit coucou, regardez, nous, on est tout va bien. Et mon mari, il travaille toujours. Eh ben, je vous dis à très très bientôt, à très vite. Voilà. Et vous nous manquez aussi. Voilà. Salut à tous. Merci chef de m'avoir réveillé. Donc ouais, en mode confinement, c'est la merde. On a pour un bon moment. Je vais sortir. Bon, bah écoutez, moi ça va, je suis dehors, je suis dans mon jardin, je profite, j'ai fait pas mal de ménage. Je suis contente de voir un petit peu que chacun a mis un petit mot, c'est super sympa. Tout le monde me manque aussi. Je suis confinée à la maison et en plus je m'occupe de mon mari qui lui travaille mais qui est malade. Maintenant, à voir ce que c'est. Et dans ma famille, apparemment, j'ai ma petite sœur aussi qui... Ça craint. Mais bon, j'espère que ça ne sera pas trop grave et que ce ne sera pas ce putain de virus qu'elle aura chopé. Voilà, bah écoutez, RAS, c'est calme. Mais bon, et je m'occupe de mon petit chien. Voilà. Bah écoutez, je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Malheureusement, je sais que ça va durer encore un peu. Bye bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le confinement est très très difficile. Vous me manquez beaucoup. Comme vous montre le cœur. Gros bisous, bon courage. Et oui, le confinement, c'est pas facile du tout, mais on fait avec. Donc, je suis assumée dehors, derrière mes barreaux. Mais ça va, la famille se porte bien. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, on manque de rien. Donc, tant que la santé est présente, c'est le plus important. Ça va, vous allez bien? Ben, moi, je mange, là. Je suis en train de manger un petit riz blanc avec pois cassés, poisson frit et des blettes. Comme maintenant, j'aime moins. Vous avez vu? Je vais pas finir de faire le ménage. Je retourne au ménage après. Bisous. Bel poisson, vous voyez?
Les blettes, c'est presque fini, hein. Poisson, fruits, riz blanc. C'est que maintenant que je déjeune. Et ce soir, je ne mange pas comme ça, c'est bon, c'est fait. Un repas par jour. Comme ça, je ne grossis pas trop. Bonjour à tous, un petit message pour vous dire que malgré le confinement, on pense à vous. Voilà, le lycée est très calme en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de travailler tous les jours et de penser à l'ensemble de l'équipe des agents. J'espère que de votre côté, le confinement se passe bien, que vous êtes surtout en bonne santé et que votre famille aussi. On a hâte de vous retrouver, respectez d'ici là toutes les consignes, restez chez vous, je crois que le message a suffisamment circulé. Et puis à très bientôt pour nous retrouver tous à Mono. Bon courage d'ici là et bonne santé pour vous et pour votre famille. Voilà, bonjour à tous, je pense bien à vous en ces moments très difficiles que nous traversons tous. Je suis moi-même confinée avec mes petits-enfants. J'ai qu'un souhait, c'est qu'on se retrouve tous assez rapidement en très bonne santé. Je pense encore bien à vous, à vos familles, et j'espère que nous nous retrouverons dans pas trop longtemps. Et je vous dis à bientôt et beaucoup de courage à vous tous. Bonjour Madame Montet, bah, écoutez, nous aussi, hein, on est confinés à la maison, dehors, tout dépend de ce que chacun a. On prend soin de nous, prenez soin de vous aussi, ainsi que de votre famille. Et puis, on se dit à bientôt. Et ça fait très plaisir. Merci, au revoir. Il est en forme, Bobby. On va aller boire un café, allez bien. T'es en forme ou non? T'es en forme ou non? T'as rompu le papier, toi? Non. J'ai fraudé ça dans 5 euros d'amende. On va faire moitié-moitié. Bonjour à tout le monde, c'est Pascal, juste en bas de chez lui avec Lorenzo. Voilà, hop, tout va bien, Pascal. Voilà, on est là, c'est bon. Voilà, il a l'air bien, de bonne humeur. Et puis qu'on commune bien. Allez, bonjour à tous. Allez, bonjour à tout le monde, allez, salut. Ciao. Salut. Pain au beurre, clacadada, pain au beurre. Donc là, comme tu vois, je viens de le couper et il est cuit. Il est tout chaud. Bon Mathieu, écoute, arrête avec tes histoires de coronavirus parce qu'on n'entend que ça. MAGG, ta vidéo, géniale. J'ai adoré. Bon, les autres poufias, elles sont où? On les voit pas, pourtant c'est l'heure de la récré, là. Elles devraient se manifester. Bon allez, bisous mesdames poilopathes.